get that bitch wet. We've been going hard for too long. Can't get enough for the shoe on. Really ain't nothing left to drop that. Wake up in the morning, make it all back. We've been going hard for too long. Coucou YouTube, on se retrouve sur Altis Life sur Twitch. Donc là on va direction la douane car on a reçu un appel comme quoi il y avait des coups de feu là-bas, donc on s'y rend, on est toujours empolé sur le serveur Altis Good Life. N'hésitez pas à aller venir faire un tour, toutes les infos sont en dessous dans la description, voilà. Et pareil, si vous n'êtes jamais venu sur un de mes streams, n'hésitez pas. C'est dans la description tout ça, voilà. Et je suis en compagnie de Daniel. Salut YouTube. Daniel, mon colonel. Voilà. Donc, on est parti. Toi, t'arrives bientôt là ? Je démarre seulement, moi. Ok. Je me suis déjà pris un lieu. T'as combien de kilomètres de la douane ? Là, je suis dans le virage de la mort. Ok, moi, je mets les sirènes pour aller plus vite quand même. Moi, j'ai mis que les gyros là. Ah, mais comme je suis dans Kabbalah, je vais mettre les deux. Et quand je vais être au champ de pêche, tu vois, je vais les retirer comme ça. Comme ça, tu préviens, on peut pas dire ouais, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Voilà, c'est ça en fait. Bon, là, je suis sur la grande route où il y a personne quasi, donc voilà. Donc, j'ai juste mis les gyros. Et du coup, je vais arriver discrètement par rapport à s'il y a des rebelles ou quoi là-bas. Ou si c'est un guet-apens. Ouais, on ne sait jamais avec des personnes. C'est ça. Alors, on va faire un tournant, parce que voilà. Le tournant de la mort. C'est ça. Et après, on va dire, ouais, on a du dent, vous êtes bourré, c'est pas bien de boire pendant le service. Alors que la seule chose que je bois, c'est du Pepsi, les gens. Voilà. C'est qui tape du marteau là chez toi? C'est mon frère. Il tape le clavier. C'est pas le faire avant. Alors, on est parti. C'est parfait. Alors là, moi je suis à un hangar blanc paumé au milieu de la cambrousse. Je suis à 10 km de la douane. Hager, envoie un message pour dire qu'il a une équipe qui arrive. Comme ça, ils le savent. Ouais. Je sais même pas qui a envoyé le message. C'était Mehdi. What? Téléphone. Bon, ben. J'ai fail. Oui. Sérieux? Ouais, je me suis crashé. Toi, dans le tournant. Pour aller vers Topolia, non? Vers ah, Topolia. Ouais. Je me suis crashé juste là. Mais je suis en tournant, j'ai oublié qu'il y avait ce tournant. Je crois que c'est aussi l'endroit où je me suis pris, je crois. Non, parce qu'il a tout. Il avait le mur et tout ça, c'est moi qui viens de tout. Ah ouais, parce que moi à un endroit je me suis aussi un peu... Merci, faites vite. Ouais. J'ai aussi tapé un peu contre une barrière de sécurité. Ouais. Mais ça va, j'ai pas dû réparer donc... Putain, par contre il y a du brouillard, ça va être casse-couille. Bon, il faudra appeler les techniciens pour la lampe. J'ai pété une lampe. Alors, je suis au truc de carte là. Voilà, à l'aéroport. La petite airfield. Alors, sur Twitch, surtout, vous inquiétez pas si je lis pas tout de suite les commentaires. Je le ferai dès que j'ai l'opportunité de le faire, voilà. Dès qu'on aura un moment de tranquillité. C'est ça.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à je réponds. Non, je rentre dans une zone de la douane là, du coup j'ai des petits lags. J'arrive au tournant de la mort. Ok, là il y a un pick-up. Fais attention quand même. De réparation, j'ai l'impression. Pick-up de réparation ? Ouais. Avec un gars dedans. Oh, ça tient. Recule le temps que j'arrive à la rigueur. Comme ça, t'es sûr que t'as rien et on arrive tous les deux en même temps. Ouais. Ok, je me replie un peu plus loin. Ouais. Rigueur, moi plus loin, je vais mettre une herse. Avec deux barrières. Vas-y. Je suis à la station essence un peu plus loin là. Mais t'as des herses et des barrières toi ou pas? Ouais, j'ai une herse. Bah, la gueule, barrière. Place deux barrières et une herse. Ou une herse et une barrière vers le milieu. Hein? Vers le milieu de quoi? De la route? Ouais, comme ça personne ne passe tant de des tirs. Putain, j'ai un putain de fruit, sa mère. Ok, c'est bon, le pick-up est passé. Et je vais bloquer la zone du coup. Il est passé en ma direction? Ouais, il retourne sur la grande route dans l'autre sens. Vers où on arrive, quoi. Donc ouais, vers toi. C'était lui qui m'a appelé, je crois. Ok, je mets mes sirènes, on sait jamais. Je vais me rapprocher un peu de la douane, je vais faire un périmètre de sécurité. Ouais. De mon côté. Wow, le brouillard. Voilà. Je suis à 3,5 km, j'arrive. Et bon, on replace une là-dessus. J'espère qu'on voit bien qu'il faut pas passer. Gaffe quand t'arrives. Je vous attends toujours, mais. Et j'y suis. Il est malin lui. J'y suis, faites attention à vous et sortez de la zone pour ne pas être exposé au tir. Je passe à l'airfield. Ok. Ok. Il m'a envoyé d'accord, essayer. Essayer de localiser la personne. Localiser la personne qui. Ouais. Mettre la petite ARCO là pour voir au loin.
côté de toi. Ouais. Alors, on n'a pas... J'ai pas de visuel, je suis arrivé, tu vois, près de la barrière, là, le long du mur. J'ai entendu des tirs, et là, devant, où il y a la barrière, tu vois, juste en face de la barrière, là, il y avait un truc de réparation qui a été arrêté, celui qui a fait demi-tour. Ok, je vais aller voir ça. Vas-y, moi, j'empêche les gens de passer. Alors, ça dit rien sur le chat. Gaffe à toi. Hein. Gaffe à toi. Ouais. Il a RAS pour le moment. Ok. Ok. On met un montre en chrono après. Non, il a rien. Il a rien. Canular. Ah, pourtant, moi j'ai entendu tirer quand j'étais là-bas. Ben, ici je viens de faire le tour. Je fais le tour du bâtiment. Je viens d'aller sous le toit, il a rien du tout. C'est vrai. Ouais. C'est peut-être du côté Telos aussi, parce que ça me semblait pas dans la douane que ça tirait. Donc, il tire de Telos à la douane. J'ai l'impression, ouais. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est rentrer avec le véhicule. Je vais le positionner à droite. Et vu qu'on a souvent des tirs qui viennent de là-bas. Ouais. On voit rien avec le brouillard non plus. T'as quelque chose ou quoi tu me dis, hein, j'arrive. Ouais. Le barrage qui a de la gueule quand même. Véhicule. Véhicule. Ouais. Ok, tu le fais arriver jusqu'à moi, au pire je le contrôle ici. Tu lui dis d'avancer un peu plus loin jusqu'à ce que mon collègue vous intercepte. C'est quoi, c'est un Zamak? Non, c'est c'est une Alliance Sport. Ah ok. Ouais, bah tu lui dis de continuer à avancer un peu, je l'intercepte et je le contrôle. Ouais, ouais, deux secondes. 500 mètres à peu près. Tu lui dis. Prenez ça pour de la sommation. Des menaces en plus. Il y a des menaces. To form on me. Arrêtez-vous. Monsieur, arrêtez-vous, vous voyez les barrières quand même. Reculez maintenant. Monsieur, reculez. Reculez pour vous être derrière les barrières. Voilà.
Essayez de vous mettre sur le côté là dans l'herbe. Attention aux barrières. Putain, c'est pas le rôle des conducteurs. Sortez du véhicule. Vous m'avez niqué ma voiture. Ah bah pourtant monsieur, vous voyez les barrières, vous savez bien qu'il faut pas passer par là. Hein. Bah c'est votre collègue qui m'a dit de passer par ici, vous êtes con quoi. Oui, il vous a dit normalement, en tout cas moi je lui ai dit de vous dire de continuer sur 500 mètres et que j'allais vous contrôler monsieur. Bah oui. Vous voyez les barrières quand même, vous savez bien qu'il faut pas passer. Et je mets le véhicule, mon véhicule de service en plein en travers de la route pour vous bien voir que je suis là. Et qu'il faut donc pas passer ici en plein milieu de la route. Moi je m'assois sur mon capot. Non monsieur, levez-vous. On va passer un contrôle. Hein. Donc monsieur, je vais vous menoter pour votre sécurité et la mienne. Gendarmerie nationale. Et vous appelez un dépanneur s'il vous plaît. Oui, on va le faire. Mon collègue va s'en charger. Alors, est-ce que vous avez des papiers sur vous Kiki Dépannage, c'est une bonne entreprise. Oui, vous inquiétez pas. Mon collègue, mon colonel ici va s'en charger. Est-ce que vous avez des papiers d'identité sur vous, monsieur? Permis de conduire, oui, etc. Pardon? Poche arrière centrale. De votre sac à dos? Non, de mon pantalon. Ah oui, de mon sac à dos. D'accord. Poche arrière centrale de mon pantalon, c'est mon cul. Hein. C'est... Voilà quoi. Oh putain, il est sérieux. Bouger de la douane. Oh, ça tire là. Bon, monsieur Renz, permis de conduire et tout, vous êtes en ordre. On fait de la soma. On va par vous laisser contre, repartir, vous monsieur. Vous cherchez quelqu'un d'armé, je suppose. Si vous cherchez quelqu'un d'armé, j'ai peut-être un tuyau. Non mais il est pas là, là vous tirez nulle part. C'est pour faire de la sommation monsieur. Oui mais moi j'ai vu la personne où elle est, je peux vous dire où elle est si vous voulez. D'accord, dites-nous. Elle est à Telos, vous voyez la première maison? Mm-hmm. Là, c'est la mienne et il est juste devant, armé en fait. D'accord. Bon bah pour ça je vais vous réparer votre véhicule monsieur pour la petite aide. Si vous voulez vous pouvez monter dedans comme ça il vous voit pas arriver avec la voiture de police. Hein. Vous pouvez prendre la mienne, je vous ramène. C'est passé juste à côté de moi, mon gars. Couvre-moi. Hein. Je répare son véhicule, du coup. Ah, c'est quoi le véhicule qui arrive là? Monsieur, quittez la zone. Quittez la zone, s'il vous plaît. Faites demi-tour, ce sera mieux pour vous. Non, monsieur, partez. On subit des tirs, monsieur. Vous pourriez être cible. Oui, d'accord. Allez-y. Ce serait mieux pour vous, monsieur. Non, ok, monsieur, vous pouvez repartir dans le sens contraire de la douane, s'il vous plaît. Quittez le périmètre. Merci. Ah, Kiki, mon frère, comment tu vas? Non, monsieur, partez plus loin là. Vous entendez les tirs, c'est juste à nos pieds, monsieur. Allez plus loin, regardez, derrière il y a les balles qui tombent. Putain, mon gars, mon véhicule il est mort. Il lui manque une roue. Ouais, il manque de la vie aussi. Pourquoi je perds de la vie? Je peux pas me soigner. T'es là, Daniel? Là, ouais, excuse-moi. Ah, ouais, je suis là. Je suis occupé, je perds de la vie. Je peux pas me soigner, mon gars. C'est abusé. Ce bordel. Ouais. Je m'étais mute pour dire que les personnes n'entendent pas deux fois la même chose. Mm-hmm. Ici, tu sais ce que je vais faire? Ah putain, reviens vers moi. J'ai pas de trousse de soins. Ah merde, ben là je vais essayer d'aller l'intercepter. Ouais, mais je suis à 47% de vie là. Mais donc je peux plus courir, rien, c'est la merde.
pars avec ton véhicule, laisse tout mon véhicule, il lui manque une roue. Ah putain. Tu sais pas essayer de te cacher? Je suis occupé de le réparer là, je me suis un peu décalé de la route. Mais vu que j'ai dû répéter 40 coups au civil de partir. Ouais. Voilà. Bah, essaye de te cacher au maximum, je vais essayer de l'intercepter. Ok. Cela, comme je vais aller voir la position que la personne nous a dit. Et donc, nous sur YouTube, vous aurez la suite au prochain épisode. Voilà. Donc moi je vous dis au prochain épisode les gens, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce vert si ça vous a plu. Et donc voilà, salut tout le monde, c'était Aurélien 48126 accompagné de Daniel. Salut à tous. Salut tout le monde.